Pour ce mouvement des feuilles de lotus qui se balancent au vent, nous allons descendre dans la jambe droite et déplacer le pied gauche vers la gauche d'une largeur de hanche légèrement supérieure, très légèrement. Dans le même temps, le bâton se déplace dans un demi-cercle vers la droite ici à 45 degrés. Ce qui fait que nous avons un équilibre ici entre le bâton et la jambe qui se déplace. Les mains s'ouvrent pour pincer le bâton entre le pouce et l'index, comme nous l'avons vu précédemment. Ici, nous avons un mouvement de taille vers la gauche qui entraîne le bâton et nous sommes dans une position yin dans la terre, bien ancrée. Nous balayons l'espace avec le regard pour venir ici légèrement vers la gauche et vers l'arrière pour fermer les mains, fléchir les poignets et passer près de l'abdomen avant de repartir à droite vers légèrement le sud-est. Nous prolongeons le mouvement comme ceci en étirant l'homoplate droite avant de revenir le bâton Placé contre la poitrine et de se réinstaller dans ses jambes, dans ses reins pour retrouver une position ancrée Yin. Le bâton est face au cœur, la région Yang, le haut du corps. Notez que le bâton est quasiment horizontal, hein, légèrement incliné mais très peu. Ici. Ensuite, nous allons effectuer un léger cercle par le bas avec la main gauche. Ici pour dégager le bâton et pousser sur le côté gauche pour s'incliner, les mains fermées sur le bâton, avec le bras droit ici qui vient coiffer l'oreille droite et la main gauche ici qui vient descendre à peu près à hauteur de la taille. On s'efforce au maximum de mettre le bâton dans la verticale, avec le corps bien incliné pour ouvrir le côté droit. Nous ouvrons les mains en regardant le bâton et nous le suivons pour le redresser vers le ciel. Nous regardons à ce moment-là vers le bâton. Celui-ci commence à redescendre après avoir étiré les trois réchauffeurs. Le regard lui aussi redescend, le menton redescend et nous allons passer devant le corps ici pour effleurer et masser la région de l'abdomen. Les mains se ferment à ce moment-là et nous ramenons le pied gauche. Nous nous ancrons dans le pied gauche pour renouveler le mouvement. À gauche, ancrage, ouverture des mains, rotation de la taille, regard légèrement vers la droite et vers l'arrière, masser la taille, étirer sur le côté gauche, large cercle pour ouvrir l'omoplate gauche et retour dans les jambes à ce moment-là, ancré à la terre. Le mouvement circulaire par dessous avec le bras droit, l'inclinaison du corps à droite, le bras gauche qui coiffe l'oreille, la main droite à hauteur de la taille, le bâton vertical, attention de ne pas partir en avant ou en arrière, bien dans l'axe du corps. Et puis regardez en direction du bâton. Les doigts s'étirent, s'ouvrent, les bras s'étirent et nous revenons vers le ciel. Le regard qui amène ici le menton à se lever légèrement sans pincer les cervicales, la descente des bras, le regard, la tête, l'effleurement de l'abdomen, le petit massage et la fermeture des mains à la fin. Puis Retour du pied droit, joint au pied gauche. Bien, les points importants pour ce mouvement. Au départ de l'action, donc ancrage dans le pied droit, le déplacement du pied gauche et le regard qui se positionne à peu près ici, en direction du bâton sur le sol. Nous partons ensuite vers la gauche avec la taille, rotation de la taille, dans une position yin bien ancrée dans le sol, avec la pointe du bâton qui part légèrement vers le sud-ouest et les mains vers le nord-ouest. Nous revenons à la taille avec à ce moment-là un mouvement yang vers le haut, et ce bâton qui va venir masser l'abdomen pendant la rotation vers la droite et l'allongement ici du bâton et des bras. Notez l'étirement de cette épaule, et bien sûr par découlement ici l'ouverture de l'omoplate gauche. Le retour du bâton. Pour venir se positionner devant la poitrine, avec donc cette fermeture au niveau du cœur et l'assise simultanée dans les reins. À ce moment-là, le bâton est pratiquement horizontal. On évite trop l'inclinaison. Il est quasiment à l'horizontale. Le petit arc de cercle par-dessous, avec la main gauche ici en l'occurrence, et l'inclinaison sur le côté pour venir coiffer l'oreille avec ce bras et placer cette main à hauteur de la taille. Notez l'ouverture très forte ici du flanc avec le méridien de la vésicule biliaire. Le retour, avant le retour, pardon, ici, l'étirement des doigts, le regard du bâton et l'étirement, voilà, des trois réchauffeurs, Chongmai, Renmai, etc. Les méridiens vaisseaux. Ici, conception, vaisseau gouverneur qui sont étirés. Le regard vers le ciel, le bâton qui redescend, qui effleure l'abdomen. Le yin-yang dans les poignets à la fin du mouvement. Le relâchement des épaules. L'étirement axial pour revenir, fléchir dans ses jambes et retour au centre. Bien, la respiration sur ce mouvement. Nous allons inspirer au moment du déplacement du pied et de la rotation du bâton et expirer à ce moment-là, sur le retour à droite. Inspirer et expirer au moment de l'extension sur le côté. Inspirer sur le retour, expirer en redescendant. Voilà. Il s'agit là de propositions, et bien sûr, selon votre rythme, le rythme du mouvement, vous pouvez rajouter des cycles respiratoires. Vous pouvez par exemple les doubler sur ce mouvement. Ici, nous avons proposé trois cycles pour un rythme assez soutenu.